Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever. On se retrouve toujours avec le cygne pour ramener notre troisième petite lentille. Et ben, on est parti, salut à toi. Salut, salut tout le monde, on est parti de mon pas de sénateur. C'est vrai que j'avais oublié de... qu'on aurait pu vite fait quitter, reprendre pour que ça me vire le curseur au milieu de l'écran, mais bon, c'est pas très très grave. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Non, laisse tomber, c'est pas grave. On verra s'il se passe un truc après, éventuellement on le fera vite fait. Mais là, si jamais c'est quasiment fini, on va voir. Ah salut, moi j'ai le petit point viseur au milieu de l'écran depuis le début du jeu, hein. Je pensais que c'était normal. Bah le point viseur, oui, mais moi j'ai le curseur par-dessus. Ah oui, c'est moche. Ouais, c'est plus mon problème clavier, mes nombreux alt-tab et autres pour régler le problème. Bon, c'est le curseur du jeu, hein, le doré, hein, c'est pas le vieux curseur blanc de Windows, hein, c'est déjà mieux. Ah, et si c'est celui qui est dans les menus, il est un peu gros. Si tu ouvres le menu et que tu le fermes, il disparaît pas? Bah non, mais oui, c'est bien celui-là, ouais. Ouais, il est un petit peu gros, mais bon, il bouge pas du milieu, bon, ça va. Mais s'il y a un truc, on fera vite fait. Quand ça sauvegardera, on fera vite fait quitter et reprendre. Bon, je m'attendais à une réapparition du bouffon ou du roi, mais pour l'instant, c'est calme. Pour l'instant ça va, y a que la couleur qui est pas très calme et puis les corbeaux au-dessus de notre truc en haut là. Oui, j'avoue, hein, les corbeaux et ils sont un petit peu. Ils indiquent en général le bouffon. Bien. Bon bah, normalement il va à la bonne place, hein. J'arrive. Ouais, faites. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? On a deux manettes à tourner là. Enfin, je suppose. J'ai pas le truc d'interaction dessus. Ah, de l'autre côté. Allez, Roger, go! On a débloqué un succès qui s'appelle The Solution. J'aime pas trop ça parce qu'on monte vers la tour du bouffon. C'est vrai, en admirant un magnifique vitrail. Such virtue the world had never seen. Our homes and hearths he would protect amidst lush fields of green. Until there came that fateful night when he exchanged the green for eternal white. Defying our fate, four families took the lead, meeting in secret, planning to undo our king's foul deed. Then, through magics of the long decayed, the astrolabe machine was made. Hoisted to sacred sight up high, we gathered upon the bell tower, blinding the king's gaze nearby, channeling the moon's ancient power. But salvation cannot come for all. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide astrolabe pieces three and stay behind, cursed for all eternity.
Ah. Évidemment. On cue. May I say, what a splendid performance. Now, it's time to escape this cursed realm. Let me take that off your hands. Scheming, connive. Treacherous snake! I will seek this realm before I let you leave. Time to play! Guide the light, rats, unless you want to stay. Ok, bah je vais monter à toute vitesse, je sais pas si tu peux m'envoyer en haut. C'est pas ça, il faut qu'on soit deux pour ça. On peut le faire si tu veux, mais je sais pas si ça va marcher. Là faut qu'on soit deux aussi, non mais je cherchais une manivelle qui permettait de t'envoyer en haut du coup. Et je ne vois pas, ici il y a une échelle. Suite, il faut peut-être faire des trucs avant. Ah, j'ai trouvé, là on peut, je peux t'envoyer là. Ok, vas-y. Tu me dis quand c'est bon ou faut pas que je lâche. C'est bon, pardon. J'ai un globe qui est en train d'absorber la lumière et qui la renvoie, je crois. Yep, tu la renvoies vers là où t'as monté, un peu plus ou moins, mais... Ah mais attends, il y a un... C'est coincé, poussé. Je peux tirer des manettes où il y a une météorite qui s'écrase, c'est le premier symbole, deux lunes qui se font face et un quart de lune sur la troisième. Alors en fait là le globe il est envoyé sur un autre globe, mais c'est coincé par une palette devant et il faut qu'on soit deux pour la faire tomber. J'arrive. Ok, donc va falloir faire monter celle-là j'imagine. Je te renvoie en haut du coup. Vas-y. Putain, le fumier de bouffon qui s'est barré quoi. Je sais pas, c'est pas un étage en dessous qu'il faut que j'aille ou un truc dans le genre. Ah oui, j'avoue, ça a l'air complexe. C'est possible, hein. Oh, attends. Ouais. Ouais, ça c'est bon et. Est-ce que je peux faire ça? Attends, j'ai trouvé un moyen de grimper. Non, je... Pardon, excuse-moi, j'étais resté enfoncé. Non, je peux pas. Ah non, mais redescends. J'ai trouvé, mais il faut qu'on soit deux. Ok, ouais. Une fois que t'es en bas, il y a une échelle là, et si tu grimpes, tu vas pouvoir grimper, arriver là où je suis. J'arrive. Oh sa mère. Ah ouais, là aussi t'as des trucs comme ça. Attends, je vais le faire. Quoi ? Ok, on est bon.
faire les trucs en même temps là. 1, 2, 3. Parfait. Allez go, 1, 2 et 3. Peut-être les manivelles de tout à l'heure là qu'on a vu. Ouais. Comptez pour voir, attends. Ah non, attends, c'est derrière. Pardon, vas-y. C'est derrière, il y a un truc derrière. C'est derrière, mais j'arrive pas à y aller. Ah, ça s'est ouvert là, on peut y aller par là, d'accord, ok. Ah non. Non, on peut pas y aller par là en fait. Roger! Ah mais je t'ai pas vu! Je t'ai pas vu! J'essaie de te marcher dessus moi! Merci Roger, pour la peine je te laisserai partir. On verra ça. Ok. Oh l'enfer! Ou tu veux, attends, on va changer, vas-y toi. Ça va changer un peu. C'est bon. La question que je me pose, c'est que les sœurs elles ont dû rester à deux. Je suis en haut, c'est bon. Ah oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure, ouais. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire, mais tu vas trouver. Peut-être que j'aille à l'autre, moi d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait il arrive sur celui qui est à l'étage en dessous moi. Allez, j'entends un tic-tac, 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 donc on a un temps limité pour faire un truc. Ouais, alors attends, parce que ça fait deux fois que je monte et que je tombe. Trois fois! T'es sûr que tu veux qu'on échange? Ah, quand même, quel gros boulot. Ok, j'y suis. Alors, il faut que je t'envoie. Ok, vas-y, recommence. À toi. Il y a un symbole à droite, c'est les deux lunes. Deux lunes. La lune croissant. Hop, la double lune. Je le vois, je le vois. Ok, go alors. Ah, il fallait le faire un certain temps, d'accord, j'avais pas vu. Ouais, il y avait un tic tac. Ok, là on a de nouveau une manette qu'il faut qu'on tienne chacun de l'autre côté pour basculer l'astrolabe, j'imagine. 1, 2, 3. On ouvre la porte, non? 1, 2, 3. Retrieve it, you stop being whole.
bubble where time and space twirl and twist. No. Would that simply hurt you? No. Or will you cease to exist? Damn you. And you too. Let everyone know. Papa dear. Il n'y en a même pas un qui se sauve, quoi. Apparemment pas. Tu es prêt à flotter, Roger ? J'ai bien aimé le fait qu'on se jette un petit regard, mais qu'on est quand même infoutu de se précipiter pour choper le mec et agir un peu. Non, Roger, non ! Et à qui veut qu'on le dise, le bouffon, du coup ? Ah la merde ! Qui clignote là-bas. C'est quoi ce truc affreux là ? Tu m'entends ? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. C'est affreux. J'aime t'es pas dans être au milieu de la mer, je déteste ça. Ouais, ouais, ça me stresse. On est d'accord, hein. Attends, j'ai trouvé peut-être une lanterne qui clignote un peu là. Ah bah toi aussi. Oh, on va faire le Titanic ? Je peux te demander de l'aide. Ça fait quoi ? Aide-moi, Roger. Aide-moi. Roger, aide-moi. Non. Roger, s'il te plaît. Ah. Reviens, Roger, reviens. Roger, reviens. T'entends, tu vois aussi, arriver que ça va arriver que c'est un coup toi, un coup moi. C'est ça, bah oui, c'est clair. Là, j'ai aidé un ami. Mais peut-être pas. Ah là là. Les salauds, quoi. Enfin, bon, c'est cool, mais on va pas faire ça sans temps, non ? Comment ça se passe ? Ça se finit à un moment, non ? Je pense que c'est la fin des jeux du cygne en fait, hein, et c'est le moment de l'avènement de 119 minutes, hein. Ah non, Roger. Non mais j'ai dit que je me sacrifierais. Et je me demande surtout comment ça se termine, genre je te demande de l'aide et tu réponds pas pendant un certain temps peut-être. Je vais essayer. Bah ouais, je sais pas. Je t'ignore, si je regarde en l'air là. Non non, je te tiens pas les mains. Alors on entend le boum boum là. Ah ouais, je vois que ça, je commence à avoir froid là, ça se glacifie dans ma tête. Ah oui. Oh, cette fin la Titanic. Oh, le mec il tend la main vers nous en mode mais si j'ai essayé de t'attraper. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une fin totalement à la Titanic, quoi. Adieu mon ami, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Mais je me demande si pareil, j'ai pas l'impression que pour tous les suivants, le premier, tu sais, il y avait moyen, si on faisait des trucs bien, de réussir à sortir à deux, mais j'ai pas l'impression que les suivants, il y a une solution vraiment pour sortir à deux. Non, je crois pas, non. Adieu. Bon bah du coup, c'est la fin. Je vois la planche qui disparaît petit à petit pendant que ma vue se gèle. Et moi, je vois ton ombre qui disparaît aussi et... C'est la fin des jeux du cygne, c'est ce soir que s'arrête la chaîne. C'est triste. C'est ce soir que je demandais comment vous l'annoncer, ça tombe bien. Voilà. Mais vous pouvez me retrouver, moi Damnet, sur 119 minutes désormais. Oh, il y a un production baby. Trop mignon. Ah oui. Il est né pendant la production. Eh oui.
Bon bah du coup on va s'arrêter là. Bah je pense qu'attends, il y a une petite scène finale avec le bateau. Ouais bah je viens de voir un dernier succès là, je viens de voir passer un poisson devant moi. One. Ouais bah pour moi succès c'était One Must Remain. Ah, je croyais que c'était One Must Die. Non non, Wasman Remain aussi. Échappez-vous du château. Enfin, on peut pas dire qu'on s'est échappé, hein. On s'est fait entubé bien profond à la rigueur. Encore qu'on est encore on était encore vivant d'un point de vue officiel. Ouais, mais enfin le bouffon s'est enfui, on a été incapable de l'arrêter. Il est parti dans des verts pâturages et on est un peu comme des nazes. Ouais bah en même temps on aurait été dans Vermintide ou un jeu comme ça, que j'avais le contrôle, je donnais un coup de hache, je le sais pas partir. Mais là c'est bizarrement on pouvait pas faire grand chose. Ouais ouais c'est vrai que ça pose question de est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on a raté un gros truc. Non je pense pas. Non j'ai pas cette impression là non plus. En tout cas la malédiction est terminée, on peut toujours se dire ça. Beaucoup de testeurs mais en même temps je pense qu'il en fallait beaucoup. Bah c'était, il a pas été kickstarté un truc du genre, ça ressemble bien à une liste de Kickstarter. Ah je sais pas s'il a été kickstarté ce jeu là, je crois pas hein. Je sais plus, tiens tu me mets le doute. Bon en tout cas, c'était vraiment cool, sympa. Ouais, ouais comme d'hab hein, mais celui-là était bien cool. Tu as noté que le bouffon sa dernière phrase c'était We were here. Bah oui c'est ça ouais. Dites à tout le monde que on était là depuis toujours. C'est ça. Tu seras seul à le dire. Mais tu vois, le fait qu'ils disent ouais. Dites à tout le monde. Bon, après, il n'y a pas vraiment de vouvoiement en anglais, mais ça s'entendait un pluriel, genre on a peut-être moyen de se sauver tous les deux, quoi. Mais je sais pas comment. Ouais, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup de testeurs quand même. Si ça se trouve, si on se relaie pour sortir de l'eau et re-rentrer dans l'eau suffisamment longtemps, le bateau non. Qu'on entend faire boum finit par nous trouver, je sais pas. Bah, je on reste au bien, chaud mais... et. Ouais, on se fait des câlins. Ouais. Je crois pas trop. Bon, bah, du en coup, tout cas, voilà. On va arrêter l'épisode là, faire l'outro. L'outro de la série. Et bah voilà, Bah merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, que vous êtes bien éclatés avec nous, que vous avez apprécié de nous voir galérer, de nous hurler dessus devant votre écran, quel qu'il soit. Ce que j'aurais personnellement fait. Donc, on se retrouvera peut-être un jour pour une éventuelle suite ou un préquel ou je ne sais quoi, parce que je doute qu'ils abandonnent quand même ça comme ça. Même si officiellement la série c'était le dernier, mais bon, on connaît ce genre de blabla. Et voilà, un grand merci à Total Mayhem Games, une fois de plus, hein, qui nous a fourni toutes les clés de tous les jeux pour qu'on puisse vous les proposer. Ouais, sauf le premier qui est gratuit, on vous le rappelle, le premier est gratuit, n'hésitez pas à les tester, alors c'est pas le même gameplay, mais quand même. Voilà, sur ce, je conclue, merci à toi le Lucine, c'était super cool. Merci à toi Damnel, je confirme. Fin, profites-en, c'est le moment. Et bah, merci à toi, c'était effectivement bien cool, heureux que tu aies survécu cette fois, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ciao ciao. Et bah ça marche. On fait ça. À plus les